à la SONEB, le 8 mars se veut une journée de réflexion sur l'exercice et la jouissance des droits de la femme. Une tradition à laquelle l'Amicale des femmes agents, AMIFA SONEB, ne déroge pas pour le compte de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu cette année par notre Amicale est « Investissement et gestion de l'eau au quotidien, impact des femmes travaillant à la SONEB ». Cette édition de la Journée internationale des droits de la femme nous offre l'opportunité de réfléchir sur les possibilités réelles d'exploiter la gestion de l'eau comme moteur de construction d'un avenir durable pour nous-mêmes, pour les générations futures ainsi que notre pays, le Bénin. Afin de mieux édifier les membres, le bureau de l'Amicale a initié une communication sur la thématique. Le directeur général de la SONEB, à travers la voix de son représentant, a exhorté ses collaboratrices à préserver les acquis des luttes antérieures. Il m'a demandé de vous faire remarquer ceci, qu'il est bien dit « journée des droits de la femme », à nuancer avec la tendance qui est de dire « journée de la femme ». Nous avons la chance d'être dans une société d'État où nous bénéficions d'une convention collective où femmes et hommes sont traités exactement de la même manière. C'est le fruit de la bataille des générations précédentes et il faut que, ensemble, nous tous, nous travaillions à maintenir ça en ces temps de restructuration. La seconde invite, non moins importante, est de lutter pour une meilleure représentativité des femmes agents dans les instances décisionnelles et de travailler pour l'accroissement de l'effectif féminin au sein de la société. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir de vaillantes dames aux ressources humaines, je veux dire à différents échelons de ressources humaines. Vous allez travailler, chères dames, à ce que l'effectif des dames à la SONEB soit plus important. Arrivée en fin de mandat, la présidente de l'AMIFA SONEB tire un satisfecit à ses collègues du bureau. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes conscientes de nos défauts, de nos imperfections, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous les membres du bureau pour vos efforts et votre disponibilité à l'œuvre commune, plus particulièrement celles qui se sont rendues disponibles toutes les fois à m'accompagner dans ce mandat venu à terme. La célébration de la GIF cette année à la SONEB a été couplée avec le 3e congrès électif de l'Amicale des femmes agents. La nouvelle figure de l'Amicale se nomme Malima Adjala.